Taille de formation. Bon. Je pense qu'en fait, vous allez voir, on s'est presque tout dit en fait. On va accompagner les autres diapos, mais finalement, l'idée de la taille de formation, c'est pas de faire quelque chose de joli, d'esthétique, c'est de faire quelque chose de pérenne. Donc l'idée, c'est de mettre en place une charpente pérenne, capable de supporter le système de fructification que nous impose l'arbre. D'accord ? Ni plus ni moins que ça. Donc il va falloir d'abord éviter les problèmes mécaniques. Ça, première des choses, éviter les problèmes mécaniques. Donc quand je dis les problèmes mécaniques, c'est donc finalement ces problèmes d'écorce incluse. Là, on voit qu'on y est. On y est et que c'est le petit coup de sécateur qu'il faut donner maintenant. Vous voyez, on a des branches qui poussent, trois branches qui poussent très proches l'une de l'autre et qui ont une codominance apicale qui fait que l'arbre ne décide pas qui c'est qui. Donc on en a création d'une fourche. Mais on ne peut pas accepter la création d'une fourche à cet endroit-là et surtout avec cet angle-là. Autre chose, on a branche surnuméraire. Alors quand je dis branche surnuméraire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec toutes nos branches qui partent comme un gobelet très proches les unes des autres. Vous voyez, c'est à l'échelle à peu près, on se retrouve avec toutes ces branches-là. Il faut imaginer ces branches quand elles font 10 cm de diamètre, c'est un sac de nœuds. Donc on ne peut pas se permettre d'étager de manière si rapprochée toutes ces branches-là. Donc il faut absolument que la dominance apicale subordonne les branches latérales. C'est-à-dire que là, on voit qu'il n'y a pas de différence de diamètre entre cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là. Dommage qu'on ne voit pas l'arbre en entier parce qu'on s'apercevrait que toutes ces branches codominent. On est en train de fabriquer des fourches ici, comme un gobelet. Hein. On a une tige, et en haut de cette tige, on a des départs. Ah ben en fait, là, on a à peu près la même chose. On n'a pas réduit l'arbre, mais on s'est retrouvé avec une croissance acrotone, avec toutes les pousses qui sont parties, et qui se retrouvent à, même la pousse principale, à codominer. Donc là, le risque, c'est que si on continue cette codominance, il y a des fourches qui se créent et qu'on se retrouve avec des branches tout à fait côte à côte les unes des autres. Dans l'absolu, ce n'est pas un problème qu'il y ait une création de fourches, mais par contre, c'est un problème mécanique qui va se passer quand toutes les branches seront grosses. Donc il faut anticiper en se disant que nos branches vont grossir en diamètre et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plus de trois branches ancrées au même endroit, quoi. Moi, je vois bien le problème mécanique qui se sur une fourche comme ça, très serrée, parce qu'il va y avoir écartement ou poids. Mais là, quand ça part à l'horizontale, a priori, même s'il y a l'écorce incluse, ça fait des nœuds quand même. Enfin, ça fait, Oui, il n'y aura pas d'écorce incluse hein, nécessairement. Il n'y a pas d'écorce incluse à droite. Oui, voilà. Mais et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un gros nœud en fait, à un certain niveau de l'arbre. Mais quel est le problème mécanique. C'est-à-dire que là, quand il va y avoir 50 kg de pommes sur chaque. Et donc toutes les branches sont ancrées au même endroit. Et donc il risque d'y avoir ici une rupture. C'est qu'on n'a pas. On n'a plus l'ancrage efficient que l'on avait sur une branche seule. On se retrouve avec un cône d'insertion ici, un cône d'insertion ici, un autre ici, un autre ici. Donc la connexion entre les vaisseaux est beaucoup plus complexe. La circulation de sel n'est pas moins hein, non plus. Hein. C'est que plus ça va, plus ça grossit en diamètre, tout ça, plus ça fait des circonvolutions, c'est un peu moins fluide. Il n'y a pas de liaison entre les cônes d'insertion quand les branches sont proches comme ça. Les cônes, non, il n'y a pas. Non. Mais quand tu as un cône d'insertion, en fait, c'est des cônes d'insertion qui naissent pas au même endroit. Ils naissent comme ça, hein, puisqu'en fait, on a toutes nos branches qui ne poussent pas en face des autres, puisque les bourgeons étaient alternes. Hein. Sur la tige, on avait des bourgeons alternes. Donc on a nos condensations qui sont comme ça, et en fait, il n'y a aucune raison que les vaisseaux qui sont ici se connectent aux vaisseaux qui sont ici. Là. Parce qu'en fait, ils sont connectés tous depuis la base aux vaisseaux qui passent comme ça. Le risque de ça, c'est mauvaise alimentation d'une branche, par exemple. Tu vois, s'il y a cette branche-là qui grossit parce qu'elle prend bien et cette branche-là qui grossit parce qu'elle prend bien, et bien tout d'un coup, tu vas avoir celle-là qui va végéter. Ça arrive, on le voit. Hein. Ou alors une qui casse sous l'effet du poids des fruits. Donc le gobelet, c'est possible, mais un gobelet, ça doit être exprimé en plusieurs fois. On doit séparer d'abord en deux ou en trois, et puis après de nouveau en deux. D'accord. Là, on a un gobelet qui va être beaucoup plus résistant. D'accord.
et là on a notre doblé, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est, en fait c'est pas une forme antinaturelle, le gobelet, ça dépend des arbres. Si tu as une faible dominance apicale, ou une dominance apicale qui est contestée, naturellement, tu vas avoir tendance à avoir un arbre qui va avoir, ça dépend des corps. Tu peux avoir des arbres qui ont tendance à pousser avec un tronc et puis des branches qui contestent en permanence les branches principales. Et donc du coup, tu peux avoir un arbre qui se développe assez naturellement comme ça. Si dès le départ, la dominance apicale est contestée, ça peut naturellement se développer comme ça, suivant les pores. Bon, adapter l'arbre à son milieu, on l'a vu hier, il faut anticiper cette idée. De se dire que si on a une branche qui pousse à 1 mètre, il faut imaginer que cette branche-là restera à 1 mètre. Et est-ce qu'on a envie d'avoir une branche à 1 mètre maintenant, ou est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard pour l'enlever? C'est important d'anticiper. Et c'est pas rien quand je dis ça, parce que la plupart du temps... Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles tous nos arbres sont vendus en tige. C'est parce qu'on a mécanisé. On a mécanisé, donc on a besoin de pouvoir passer avec des engins, entretenir dessous. Donc on fait une tige et après on forme les arbres au-dessus de la tige. Ça nous permet de passer parce que si on n'avait pas fait ça, il y aurait forcément mécaniquement des branches qui partiraient à 30 cm du sol. Quoi. Chose qui est sympa pour grimper dedans. En fait, voilà ce qui se passe si on laisse faire. Issu de la pépinière, ce qui s'est passé, c'est que cet arbre-là a été étêté quand il était en sion. Vous voyez, c'est assez classique. Vous sortez de pépinière, vous avez un sion, clac, on vous coupe la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'acrotomie descend et on se retrouve à faire sortir de manière égale tous les bourgeons, les 4-5 bourgeons qui sont les plus éloignés de la base de la pousse de l'année. Donc, on se retrouve avec ces 4-5 bourgeons qui font tous des branches qui codominent dans l'arbre. Donc, on se retrouve ici avec création de fourches, les créations de fourches qui partent toutes du même endroit et on voit que toutes les branches font la même taille. Donc on se retrouve avec une espèce de futaie assez compliquée à structurer. Alors il y a des pores qui sont plus ou moins comme ça. Hein. Il y a des arbres qui naturellement vont plus ou moins faire ça. Et puis la force, la vigueur du porte-greffe peut créer aussi cette manière de se développer là. Plus vous avez un porte-greffe fort, plus vous avez intérêt à le laisser en forme naturelle plein vent et pas à vous amuser à faire des gobelets ou des choses comme ça. Gobelets peut-être... MM106 mais pas plus vigoureux parce qu'après sinon vous allez vraiment être embêté avec des arbres qui vont mettre très très longtemps à fructifier parce que ils vont mettre très longtemps à faire des branches qui basculent parce qu'avec en concurrence ils vont avoir du mal à se structurer, à se ramifier et à faire des branches latérales simplement par concurrence solaire, hein. C'est ça qui est fou. Et quand on se retrouve avec ça et qu'on veut lui redonner un port naturel. Ah oui, alors ben là, ben c'est... faut plier ou casser, quoi. Si tu tailles, celui-là, j'avoue, je l'ai taillé et j'ai mis... je suis intervenu dessus tous les ans pendant 6 ou 7 ans pour arriver à avoir quelque chose qui est encore à cette forme-là à peu près et qui commence à se structurer. C'est ça qui est fou, quoi. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai limité le nombre de branches qu'il y avait ici, donc j'ai réussi à étager un petit peu. Mais j'ai pas pu l'empêcher de faire ce qu'il faisait naturellement. Comme j'ai jamais réduit ou sélectionné, enfin, je l'ai bien fait un peu quand même ici. J'ai réduit un peu les branches latérales, souvent sur des rameaux courts, pour essayer de favoriser des branches principales. Mais souvent, ça, c'est des pores qui vont grandir, et puis au bout de 10 ans, on commence à avoir les premières fructifications et là, pouah, les branches latérales commencent à plier et s'ouvrir. Et là, on a un arbre, bah, ça fait des arbres immenses. Quoi. Ça fait des arbres immenses. Le processus est long. Donc ça, ce que tu fais dépend de la vigueur et de comment tu extrapoles, comment ton arbre va être plus tard. Donc le type de porte-greffe et le type de port de l'arbre. Et sur le sion d'un an qui a été étêté, qui repart à 400 branches, si on lui en laisse qu'une, oui. Il va repartir En laisser qu'une, c'est quand même violent. Donc, en fait, plier les autres, ça peut être une des solutions.
ou alors redresser davantage une des branches. C'est-à-dire qu'elles vont pousser toutes un peu latérales. Si tu en redresses une, que tu la mets plus verticale, tu peux mettre un bambou là pour la tenir, la redresser verticale, refaire vraiment un axe. Et puis les autres, bah, soit les diminuer, soit enlever des feuilles en vert, soit plier pour faire en sorte que la dominance apicale se refasse sur, cette branche-là. Si tu veux arriver à faire un arbre en seul axe, comme on dit, avec un seul axe. Mais sur un arbre avec cette vigueur-là et un si faible contrôle apical, c'est peine perdue, hein, parce que tu vas vraiment toujours galérer. Ce que tu peux faire, c'est faire en sorte d'éviter qu'il y ait un nœud de branche à un endroit. Donc en faisant ça, tu vas laisser deux branches, et puis sur ces deux branches, deux autres branches, et là, tu auras quand même une faible dominance apicale et une espèce de concurrence, mais avec une structure qui va faire en sorte que plus tard, quand l'arbre s'ouvrira, ben, tu auras une structure étagée et suffisamment régulière pour arriver à porter des fruits durablement. C'est ça l'idée. Hein. L'arbre futur ressemble absolument pas à celui-là. C'est ça qui est fou. C'est la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à se projeter. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Oui. Et que là, c'est des étapes transitoires. Mais vous pouvez être à peu près aveugle en vous disant simplement « Je m'imagine que ces branches-là vont finir par faire 15 cm de diamètre. » Et donc, je les sépare un peu. Et donc, une branche là, une branche là, une branche là, une branche là, ça fait vachement long hein, sur un jeune arbre. Mais sur un vieux arbre qui fait 8 mètres de haut et 8 mètres de large, elles sont côte à côte. Il faut arriver à avoir cette vision-là. Les rameaux de fructification. Alors, les rameaux de fructification, c'est par... je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça rameaux de fructification, mais finalement, c'est les pousses. C'est des pousses qui sont des pousses par opposition à des rameaux qui sont longs et qui font des pousses à bois. On va avoir des rameaux qui sont plus courts et qui ont tendance à faire des pousses à fleurs et donc à fruits. Suivant les espèces, donc là, pommier, poirier, cerisier, prunier, on va avoir des comportements un petit peu différents de la manière dont les plantes vont utiliser leurs rameaux courts. On voit ici que sur le pommier, on a des bourgeons qui sont reproduits, donc c'est peut-être pas facile de le voir, mais tous les ans, là, on a une fleur, là, on a une deuxième fleur, et là, on a une troisième fleur, donc le pommier fonctionne sous forme de coursonnes qui reproduisent tous les ans une fleur plus une petite pousse qui va permettre de faire la fleur l'année d'après. Donc il fait de fleur en fleur ou de organes de fructification en organes de fructification. Le poirier va faire ça aussi et on voit que sur le poirier on peut avoir des rameaux qui vont arriver à fructifier sur ce poirier là par exemple. Sur des rameaux horizontaux mais sur un axe vertical, donc on peut avoir des fruits effectivement sur un axe vertical, alors que sur la plupart des pommiers l'effet de basculement va induire la floraison, alors que bon ben voilà sur le prunier pareil on peut avoir des prunes sur des axes verticaux, mais ils sont pas verticaux réellement les axes, ils sont horizontaux par rapport à l'axe vertical qui les tient, d'accord, donc c'est tout le temps sur des axes horizontaux, qu'ils soient petits ou longs et qui basculent, c'est tout le temps sur un phénomène horizontal que l'on a la fructification. On n'a jamais de fructification vraiment en bout, sauf sur en effet les agrumes. La notion de houppier temporaire, elle est importante sur la taille de formation. J'avais sauté cette diapo. C'est-à-dire que les pépiniéristes, ils veulent trop rapidement nous donner des arbres qui ont cette tête-là. Mais pour avoir un arbre qui a cette tête-là, il faut d'abord passer par ça, naturellement. Donc il y a cette notion-là de houppier temporaire. Donc là, c'est facile parce qu'on a un arbre avec une force dominance apicale qui fait qu'on a des branches latérales qui ont été latéralisées très fort par cette dominance apicale. Donc c'est facile de le faire là. C'est vrai que quand on a une concurrence apicale, c'est un peu plus délicat. Mais si on a une concurrence et qu'on veut avoir un tronc haut, il faut vraiment... subordonner les branches latérales jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue, et là on peut le laisser fabriquer des fourches. Vous comprenez? Donc là on peut tout type de forme d'arbres, on peut même les pleureurs, même les arbres avec une faible dominance apicale et une concurrence très forte, des branches avec beaucoup d'acrotonie, on peut les accompagner à avoir un tronc. Mais ça signifie de clairement hiérarchiser et subordonner les branches latérales. Et se dire que ces branches-là,
je les enlève pas tout de suite, parce que forcément si j'en ai un petit comme ça et que j'enlève tout et que je laisse mes deux tiges là, enfin c'est pas l'idéal, il faut quand même que ils participent à fabriquer la photosynthèse, l'enracinement et compagnie. Donc en fait ces branches là, ce sont des branches qui sont temporaires, vous voyez. Et là la fourche qui est ici, c'est celle-ci. La branche là, c'est celle-là, hein, et elle est aussi temporaire. Au fur et à mesure que je, tu vois, j'ai des cicatrices là, tac, 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 tac. J'ai accompagné. Et donc, qu'est-ce que je fais? Laquelle j'enlève en premier? La plus grosse. La plus grosse. Dans la mesure du possible, le plus tôt possible par rapport à. Dans une proportion entre la branche et le tronc, quoi. Ouais. Plus j'ai une proportion favorable au tronc par rapport à la branche, plus mon recouvrement est rapide. Faut jamais enlever plus de, je dirais, un tiers du volume foliaire, ou tu vois, un tiers, c'est, ouais, faut pas aller guère au-delà, parce que si tu enlèves plus d'un tiers du volume foliaire, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'accroissement entre nœuds va être immense et tu vas te retrouver avec une pousse de 5 mètres que tu vas avoir envie de réduire, enfin, c'est dommage. Tu vas ralentir la structuration du végétal. Donc il faut accompagner progressivement cette mise en place de l'architecture. Il y en a qui parlent aussi de risque d'échauffement des troncs avant ce moment. Oui, ou de garder même des bouquets de feuilles sur les troncs. Oui, ben là, c'est, tu sais, c'est très progressif là. Hein. Je pense que bon, enfin, ça dépend de l'exposition et du climat, mais là, cette branche-là quand même fait le job, je pense, pour le tronc. Ah ouais, de pas virer tout d'un coup. Ah ouais, ça c'est important. Et bien, les chaudures, c'est plein ouest, quoi. Donc plein ouest, si vous n'avez pas de branche plein ouest, c'est souvent c'est le problème. Parce que l'été, le soleil, bon bah, plein sud, il n'y a pas de problème. C'est quand il arrive à être perpendiculaire face au tronc, c'est là que ça pose problème. Donc c'est côté ouest que c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant d'avoir des plantes compagnes au pied. Pour faire de l'ombre au tronc, quoi.